Ce mardi 6 avril, le département et le grand port maritime de La Réunion ont signé une convention cadre relative au développement de la zone arrière portuaire. Propriétaire historique de 88 hectares de foncier situé à proximité des installations portuaires, le département a décidé d'accompagner le développement du grand port maritime en mettant à sa disposition 15 hectares. L'enjeu de cette ZAP, c'est non seulement de servir les trafics portuaires, c'est la raison d'être du port, donc on doit y veiller, mais c'est aussi de donner à La Réunion des atouts supplémentaires pour du développement économique en lien notamment avec l'économie bleue. On a toujours le souci au niveau du grand port de travailler en termes de développement durable. Et le développement durable, c'est d'arriver à concilier en même temps l'économie, l'environnement et le social. L'objectif pour la collectivité est de valoriser les terrains non utilisés en vue du développement de l'activité maritime, mais aussi de l'activité économique et industrielle de cette zone. Le transport des biens par les voies maritimes sont essentiels et ces transports passent par La Réunion. Il y a une concurrence, il faut le dire, avec l'île Maurice et les autres pays environnants. Mais nous, nous voulons faire de La Réunion, faire en sorte que La Réunion reste un port performant, à forte valeur ajoutée. C'est déjà le cas et nous devons rester en pointe. Parce qu'aujourd'hui, le trafic représente à peu près 6 millions de tonnes. Et on envisage de passer à 8 millions de tonnes. Eh bien, cette évolution rapide du trafic maritime engage La Réunion et nous engage tous. C'est pour cela que nous avons signé cette convention. Conscient de son rôle et de l'impact de ses activités sur son environnement et la biodiversité, le Grand Port Maritime a souhaité apporter son soutien au plan quinquennal 1 million d'arbres pour La Réunion lancé par le département. Des actions communes en faveur de la biodiversité réunionnaise seront menées, notamment sur des opérations de plantation. Just like a child, yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Alors, dans la PMI, j'interviens au niveau de la salle d'attente quand il y a les consultations. Donc, mon rôle, c'est plus de dédramatiser un petit peu ce moment pour l'enfant et aussi pour le parent. Parce que souvent, ils arrivent, il y a des étrangers, ils ne connaissent pas, ils ont peur, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va leur faire. Et ce petit temps d'arrêt dans la salle d'attente, ça leur permet de se détendre, d'être bien. Moi, de leur expliquer ce qui va arriver parce que c'est important de verbaliser, de mettre les mots sur ce que l'enfant va vivre afin qu'il puisse être bien et vivre ce moment le plus simplement possible, sans anxiété. Oh, les jaunes. Jaune comme le soleil. Ouais. Noir. Si tu veux aller sur le tapis, tu poses les feutres, ça y est. Tu poses ici, pose, et pour tu peux aller là-bas. Voilà, allez, bon. Allons-y. Je fais aussi des accueils par enfant dans le cadre des groupes d'accueil par enfant. C'est un temps d'échange entre les parents, les enfants, les professionnels, les parents. Vraiment, c'est un moment de détente et ça permet aux mamans de se poser, de créer du lien. Ça permet aux enfants une socialisation. À la belle menotte que j'ai. Il y a deux côtés du jeu. Il y a le côté où c'est un élément fondamental, c'est un quelque chose de sérieux pour l'enfant parce que le jeu, c'est le travail de l'enfant. Quand il est en train de jouer, il est concentré dans son jeu. Mais en même temps, c'est un plaisir parce que quand on joue, ça fait du bien, on est détendu, on rit. Donc c'est aussi un plaisir. Donc on participe à son épanouissement sur le plan moteur, sur le plan psychologique, sur le plan social, puisqu'il apprend des règles de vie. Prends les feux. Regarde. Viens. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises.
Comme c'est un plaisir et qu'en même temps l'enfant il est en train d'apprendre, il ne faut pas lui imposer des choses, il ne faut pas lui imposer les jeux. Il va aller vers ce dont il a besoin au moment précis où il est en train de jouer. Et par l'observation, on peut voir par exemple si là, à tel moment, il veut être assis, il a besoin d'être assis et concentré, s'il a besoin de courir, de sauter, de jeter. Et on va s'adapter et proposer des jeux qui sont en adéquation avec son état moteur et d'éveil du moment. Bord de l'eau, il est si beau qu'il est tombé dans l'eau. Après, il y a aussi le côté corporel, parce qu'on peut jouer avec du matériel et sans matériel. Utiliser les comptines pour faire des jeux de doigts. Petit, petit ours brun. Petit ours brun dans son bain. Lorsqu'on utilise le livre permet déjà d'avoir un plaisir partagé. Donc, on va créer du lien. On crée un lien et on crée un merveilleux souvenir à partir de ce moment-là et avec ce livre. On voyage à travers le livre. On développe son langage. Ça fait des bulles et ça fait goulou, 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 goulou. Petit ours brun remue son derrière dans l'eau et ça fait splash, splash. Il fait des vagues dans la baignoire. Il est bien dans son bain, petit ours brun. On a aussi un apport culturel parce qu'on apprend des choses qu'on ne connaît pas forcément. Ça peut être sur la cuisine, sur le mode, sur sa façon de s'habiller, sur la façon de jouer. Alors, le livre permet aussi d'apporter un apaisement à l'enfant. C'est un petit moment de calme, de sérénité. Il peut se retrouver lui-même ou alors se retrouver avec la personne avec qui il est en train de partager cette lecture. Pour moi, il n'y a pas un livre plus adapté pour un bébé ou pour un enfant plus grand. Parce qu'en fait, l'enfant, il peut trouver ce dont il a besoin dans un livre grand format avec une histoire pour grand que dans un petit livre pour bébé en tissu ou en mousse. Prenez le temps. Prenez le temps de lire, de jouer avec vos enfants parce que c'est ce qui va leur permettre d'être des adultes de demain bien dans leur peau et à l'aise dans la société.
La migration vers la métropole était, j'allais dire, une conséquence de la départementalisation, puisque la départementalisation s'est traduite par une amélioration des conditions sanitaires de la population. Donc la population a augmenté considérablement et il y avait des problèmes de débouchés et de formation. Et il y avait aussi beaucoup de misère puisque les lois sociales n'étaient pas encore mises en œuvre. Donc beaucoup de gens étaient amenés à partir en France métropolitaine pour trouver une formation et un emploi. Ça a été le cas du Bumidom. C'était une question qui était tellement importante et je me souviens bien quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était tellement important que j'en ai fait l'objet de ma maîtrise quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence en géographie après ma licence. Et depuis, durant toute ma vie professionnelle, je me suis toujours occupé de cette migration en faisant un livre avec M. Alain Lorraine sur les Réunionnais en métropole il y a un peu plus de 20 ans, intitulé 175 000 Réunionnais en métropole, une communauté invisible. En étant membre de la Commission nationale d'études sur les enfants de la Creuse créée par le gouvernement il y a 4 ans, donc tout ça pour dire que tout au long de ma vie, j'ai traité de ce type de sujet. Ce sont des sujets d'ailleurs que j'ai vu évoluer puisque autrefois c'était le Bumidom, les gens partaient avec peu de formation, pas beaucoup de garanties, trouver un avenir en France métropolitaine, mais maintenant la migration s'est beaucoup diversifiée et c'est le département qui a pris en charge la mobilité pour un emploi par le biais du CNARM, du Comité National d'Action et d'Accueil des Réunionnais en Métropole, et l'État continue à accompagner la migration par le biais de la DOM, notamment pour des gens qui veulent chercher une formation. Et puis la région, depuis 2004, également organise une formation des Réunionnais vers le Québec. Et en 20 ans, les Réunionnais sont passés de quelques centaines au Québec. Et maintenant, il y a plus de 2000 créoles des neiges au Québec. Donc la migration fait partie du vécu des Réunionnais. Et tout le monde ici, aussi bien dans la salle que dans la ville réunionnaise, a toujours un parent, un ami, une connaissance installée en France métropolitaine. Vous aviez aussi ici en France métropolitaine, mais c'est des photos d'époque, donc des années 1960, des jeunes réunionnais qui étaient installés en métropole par le biais du Bumidom, qui parfois étaient assez nombreux par chambre. Et puis ces réunionnais s'étaient aussi organisés pour défendre leurs intérêts et c'était les jeunes qui partaient se faire un avenir là-bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait au départ créé le CNARM avec Michel Debré, c'était pour que les Réunionnais puissent se retrouver dans des foyers. Bon, ces foyers avaient aussi une mission, c'est de ne pas les laisser aller dans la nature sans aucun port d'attache. Mais les Réunionnais finissaient toujours par se retrouver soit sur le travail, parce qu'ils étaient concentrés dans les hôpitaux, dans les postes, écouter les communications. Donc nous avions organisé les assises des Réunionnais en France métropolitaine et de ces assises, de ces travaux, de ces échanges, est sorti un ouvrage que l'on a intitulé 175 000 Réunionnais en France métropolitaine, une communauté invisible, parce que les Réunionnais en France métropolitaine sont tellement divers au niveau des ethnies, au niveau de la couleur de la peau, qu'on les prenait pour tout autre chose que des Réunionnais. Ceux qui étaient blancs étaient pris pour des oreilles, ceux qui étaient un peu bronzés comme moi étaient pris pour des Libanais ou des Maghrébins, ceux qui étaient noirs étaient pris par des Africains. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'était une communauté invisible, mais c'était une communauté qui existait bel et bien, puisque on se retrouvait donc très souvent. Réunion de chantier pour les acteurs de l'eau. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, il fallait sensibiliser les populations sur cette action essentielle au développement du territoire. Le département a lancé une analyse sur les ressources en eau et les besoins en eau du bassin sud. Le département a décidé de réaliser un réservoir supplémentaire d'une capacité de 20 000 m3 à côté du réservoir existant ici qui fait que 10 000. Sur l'île, les chiffres de la politique globale de l'eau impressionnent. 16 000 hectares irrigués, 35% de la production d'eau potable, 75 millions de mètres cubes distribués par an. Chaque année, la collectivité investit 20 millions d'euros dans la gestion de l'eau et de l'aménagement hydraulique. Et l'un des bénéficiaires de ce progrès, c'est le monde agricole. Comment la Réunion connaît
l'une des pires sécheresses de son histoire. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Je viens de citer par exemple les Hauts-de-l'Ouest en exemple, mais dans le sud, avec la dynamique autour de la Saphir, mais aussi l'engagement du département qui est à souligner envers son agriculture, envers cette agriculture réunionnaise. Donc les féliciter pour ce travail. Donc ce sont 20 000 mètres cubes de plus qui vont être stockés à destination de la population, mais aussi des agriculteurs. Donc ce sont des capacités supplémentaires. Cette année, avec une sécheresse historique, il n'y a pas eu de coupure d'eau dans les champs. Sur le papier comme sur le terrain, la construction de ce réservoir à ciel ouvert en béton armé de 20 000 m3 est phénoménale. Il complétera celui de 10 000 m3, un réseau interconnecté dans une dynamique de hub. C'est vraiment un hub, hein, parce qu'on a à la fois des infrastructures départementales, donc l'eau dérivée depuis le barrage du Bras de la Plaine. On a effectivement les infrastructures de la Civis, donc avec une station de potabilisation en cours de construction qui va desservir l'ensemble de la ville de Saint-Pierre. On a également un refoulement d'eau vers la Cassude. Donc cette eau qui est ici stockée et collectée est destinée au final à l'ensemble des intercommunalités pour les besoins en eau potable, l'intercommunalité du Sud, mais également pour l'ensemble du monde agricole. Il faut savoir qu'une partie de l'eau qui est stockée ici part effectivement en direction de la zone basse au niveau de la ravine des Cabris Bois d'Olive pour être turbinée, pour produire de l'énergie renouvelable avant d'être redélivrée au niveau de la zone agricole basse, au niveau de Pierrefonds. Donc pour faire en sorte que eau agricole, eau potable et production d'énergie renouvelable soient au final une problématique un peu globale. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion globale de l'eau au département. Une vision intégrée de l'eau, car nous ne faisons qu'emprunter cette ressource, ce patrimoine naturel. Il y a forcément une vision patrimoniale de la ressource en eau, d'une façon générale. L'eau, comme tout le monde le sait maintenant, c'est un cycle. On est bien sur cette notion d'emprunt que les générations actuelles font aux générations futures. Ces ouvrages, livrés en début d'année prochaine, auront coûté 9 millions d'euros. Une manière de sécuriser la ressource et ainsi de voir l'avenir de ces terres du Sud avec optimisme. Ça fait 2 mois que j'ai créé mon entreprise de vente en ligne de couches lavables certifiées. J'étais au RSA depuis 3 ans et je voulais vraiment réaliser ce projet. Et grâce à mon conseiller du département, j'ai pu bénéficier du dispositif R+, qui est l'allocation d'insertion et de retour à l'emploi, qui me permet de conserver mes allocations pendant mes 3 premières années d'activité. Maintenant, tout va changer. Je m'appelle Julie Bénard et je suis créatrice d'entreprise. R+, l'activité en toute sécurité. Plus d'informations sur le www.département974.fr.